Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Alors, on se retrouve toujours au même endroit. Un peu plus bas. Trois blocs de moins. Et on va continuer un petit peu de faire nos descentes de lave. Il ne nous restera plus qu'un étage. Et après, on descend directement dans le trou. Un trou qu'on n'a pas encore fait, bien sûr. Je vais me faire un petit escalier juste là. On va faire pareil qu'on a, ce qu'on a fait à côté. Hop. Donc avec de la lave qui va tomber par ici. Un petit peu grand quand même. Quelle forme on va lui donner celle-là? Il faudrait que tu tombes juste là. Hop. J'ai peut-être un peu vu trop grand. Faudrait que je rebouche un petit peu. Hop là. Ou que je me prenne des petites trappes d'or pour pouvoir fermer la chose. Donc là on descend. On remplace la scène qui est là. Et j'ai creusé un bug de trop. C'est pas grave. Et normalement, il manque juste cette petite partie-là, qui est facilement finie. Et on va pouvoir descendre dans la cavité. Hop, cavité qui est là. Pareil, on va réutiliser les mêmes 4, mais un peu plus avancées. Alors, au niveau de mon placement, on va descendre un peu. Par contre, j'ai aucune idée de comment on va faire la démarcation, vu qu'il faut quelque chose qui... Est-ce qu'on fait un tour de lave ? Être pas mal. J'ai peur que par contre que ça ne rende pas forcément très bien. J'ai fait des conneries là. Avec la salle rouge comme ça, on voit plus rien. Au début, il n'y avait plus beaucoup de lumière, mais là, oh là, ça commence à être vraiment sombre. Pourtant, on n'est que niveau 40, donc ça va encore. Le problème que je vais avoir, ça va être
faut vraiment que je refasse un bord pour faire couler la lave. Est-ce que on se refait un petit truc comme ça ou est-ce qu'on se referait pas directement? Un truc comme ça. Juste le rebord en fait. Parce que du coup, avec la lave qui tombe, ça fera la forme exacte au niveau du sol. Alors, est-ce qu'on fait un lac ou est-ce qu'on le perce? Je pense qu'on va pas faire un lac, on va juste le laisser comme ça. Et on va peut-être juste le redescendre un petit peu. C'est là, on fait tomber la lave. Voilà. Du coup là ça c'est bon. On va se faire le plancher. Du coup j'aurais pu creuser un bloc de plus vu que c'est complètement opaque. Je voulais faire un trou au début mais compliqué de faire quelque chose de propre avec une forme pareille. Voilà, comme ça, on voit parfaitement clair. Il faudra juste pouvoir remonter. Et il faut que j'ouvre là. Là, on peut mettre un petit bloc. Là, on met un bloc comme ça. Ici, pareil. Là, on va changer vu qu'on a un bloc juste là. Et hop, là. Plus qu'un. Et je suis tombé, bien sûr. Je peux pas remonter. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est... Hop. C'est se mettre un petit escalier quelque part, genre là. Comme ça, on pourra remonter facilement. Maintenant, j'aurais dû appeler cette vidéo « On farme de la lave ». Parce que là, on va aller chercher des shulkers, chercher de la lave. J'arrive à me rappeler d'où on vient, de là. J'étais juste à côté en fait. Ça me perturbe toute cette étendue de bug de magma. On va y mettre tout là. Hop, presque une shulker entière de roche. C'est pas négligeable. J'ai plus beaucoup de flèches, il faudra que j'aille m'en chercher. Normalement tout ça on en a plus besoin. On va se prendre celle-là.
Toi, je te dégage, je te ramasse. Ah, j'avais oublié ce petit détail. J'avais oublié le petit détail. De lave, je vais me récupérer le seau de lave quand même. On va aller les passer, ça évitera de faire un aller-retour pour deux seaux. Là on peut pas, là on peut pas, là on peut pas, là on peut, là on peut pas. Ça me fait quatre seaux de lave, c'est pas négligeable. Je dégage ça, le poulet je le garde, je vais balancer mes outils. L'épée s'en servir, les torches on s'en servira plus, ça non plus, les fusées normalement on s'en sert plus, on peut revenir à pied donc pas de souci. Et la pioche ça servira toujours, on va la garder. Un endroit pour mettre de la lave, hop. Alors, oui, je fais toujours en sorte de faire en sorte que mes passages et tout soient accessibles à pied. Qu'on puisse toujours remonter sans passer par les élytras ou les choses comme ça, qui sont fort désagréables. Il me faudrait plus de sauts. Hop. Les sauts. Ah, j'ai fait le bête. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait. Voilà. Il me reste de la roche, je vais la poser parce que ça va me faire chier après. Allons dans le Nether. Donc niveau place, c'est pas ça. On va partir par où? Ici c'était à récupérer. On va repartir par là-bas. On va aller chercher ce qu'il faut. Pendant le temps, je récupérais par là. Mais ça va être compliqué. Hop. Allez, 4. Comme vous pouvez voir, on a bien commencé à dégager le plafond. Ok. Minutes. Si tu crèves dans la lave, tant pis pour ta gueule. On avait déjà fait par là. On va se récupérer un peu de stone noir. Hop. Juste là.
petit live récupération de seaux de lave. Hop. Bien sûr, je tombais dedans. Adieu le seau de lave. Faut que je fasse plus attention. Par contre, j'ai plus de résistance au feu. Hop. Parfait, plus que la dernière maintenant. Je suis tombé comme une grosse merde dans la lave. Ça, c'est fait. Parfait. Allez, on retourne poser cette lave pour qu'on puisse revenir encore en chercher. Et j'ai atterri pas au bon endroit. Faut que je finisse ce bout de mur là. Un peu de bouffe pour pouvoir récupérer un peu de vie. Le chat qui me suit à la trace. Ce petit noir est drôlement robuste quand même. Hop. J'aurais pu me prendre des blocs autrement.
crois qu'il y en avait déjà là. Ouais. Comme on perd des sauts de lave inutilement. Bon, c'est pas comme s'il y en avait beaucoup dans le Nether, quoi. Ok. Hop. Option graphique, animation, forcément. Oh, je suis tombé. Ah, je brûle. Secours. Je vais me prendre ça aussi. Hop. Alors normalement là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là non plus, là non plus. Pas le choix. Allez, j'essaie de sortir de là-dedans. J'ai peut-être pas pris assez de résistance au feu, par contre. Hein. Mais je vais tomber sacrément de fois dedans. Surtout par là, vu que c'est pas correctement mis. Hop. Hop. Quand je vous disais que hop, ça me gave. Voilà. Que j'allais tomber dedans quelques fois. Allez, plus qu'un tout en bas. Il me reste 30 secondes par contre de protection.
Le chat, tu vas crever. À moins que j'en mette pas un complet à chaque fois. Ouais, je pense pas qu'on en mette un complet à chaque fois. On va plutôt en mettre un là. Ici, comment tu vas te répondre? Malement, ok. Donc là, forcément, tu vas descendre. On va attendre qu'il descende tout seul. Je vais aller en face d'ailleurs. Hop, on va mettre celui-là. Je vais enlever celui-là. Mettre celui-là. On va monter d'un niveau. Alors là, c'est obligatoire. Forcément, il y a la petite descente. Ok, donc là, ça ne l'est plus. Que je me pose, c'est celle-là. Non, tu vas pas gonfler, parfait. J'aurais pensé que ça aurait fait gonfler, mais non. Bon, normalement, plus on va avancer, plus ça va consommer de lave. Hop. Parfait. Hop. Et là, j'en ai plus. Et ben, on va aller faire un petit tour dans le Nether. Récupérer quelques petites potions aussi.
Hop. Allez, Nether. Remonter par là-bas. C'était un demi-bloc de haut, c'est compliqué. Par contre, là, ça pourrait spawner par là. J'ai pas une petite torche à mettre. Le chat arrête de me faire bouger, s'il te plaît. Un bout de linteau en plus. Tu viens avec moi? Viens! Bah non, il n'a pas voulu. Nous, on va continuer par là-bas. Ouais, là, on avait déjà tout récupéré de ce côté-là. On va se mettre les shulkers. Juste là. Ah, j'ai pas pris de... Où est-ce qu'il faut? Je vais garder ça. 16. Prendre par 8. Quelques petites potions. Tu arrêtes de foutre tes œufs partout, toi? Je t'ai balancé à la gueule, moi. J'aime bien si ça tourne encore tout ça. Vu tout ce qui reste encore de. C'est même pas où c'en est. Le gravier, ouais, c'est plein. Je peux mettre le gravier aussi pour boucher les trous. Oh oui, ça. Ah, le fer, il y en a pas mal aussi. Opsi. Non. Crying, un petit peu plus. Soul Sand, on n'en parle pas. Eh, mais il y en avait là aussi. Dis donc. C'est l'Underperle. Faut que je trouve un. Faut que je fasse une poubelle. Hop. Alors déjà, un petit coup de ça. Vu qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. J'aurais dû manger. Je serais pas tombé dedans. Hop.
Ouais, un jour, il faudra peut-être finir tout ça. Un jour. Je finis bien un petit peu au fur et à mesure. Hein. Hop, il n'y a plus rien par là. Une potion comme ça que je vais prendre plutôt. Ça, j'ai plus de résistance. Si je tombe à la lave. Hop. Comme ça, par exemple. La mur, j'ai 3 places. Forcément, j'ai une bouteille. Hop, quoique je pourrais faire carrément ça. Hop, là. Oh, le con. Bon, tant pis. On en a plein. Ah, j'aurais pu me mettre un portail du Nether, par contre. Quand on reviendra, on se mettra un petit portail du Nether en bas là vers la partie qui nous intéresse. Ça commence à ressembler à quelque chose au moins. Un endroit un peu plus safe que les autres, voilà. Quoi que je vais me garder ça à proximité, ça à proximité. Ça, on dégage et... Alors là, ça coule bien.
Et du coup, on va pouvoir se mettre ça. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au bout, celle-là? Non? Pas envie? Ah, un de plus, tu vas pas dans l'autre sens? Non, t'as pas envie. Ok, et bah si t'as pas envie, on va se monter d'un cran pour mettre les chaussures là. Tu me rends ça s'il te plaît? Je t'ai mis sur le côté, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors. Hop. Un plus. Un autre de plus. Tombe. Tombe. Voilà. Alors, on fait le plein de lave, encore un peu plus, tant qu'à faire on aime ça. Hop. Je vais mettre ça comme ça, ce sera plus simple. Ah, ça c'est pas beau. Ah. Chercher un ou deux blocs de magma. Tant que j'y vais. Oh, je fais crever. Voilà. Alors, on se met ça là et on continue.
là il n'y en a plus. On va se mettre toutes les petits sauts dedans. Chaud. T'as vu que j'ai eu chaud là? Hop, ça je dégage. Je récupère ça. Il me restait en 1 encore, pas tant pis. C'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Hop. Alors, par là, ça dit qu'il faut qu'on se mette ça comme ça. Est-ce que ça va tomber? Ça a l'air, ça me convient parfaitement. Voilà. Et voilà, plus de lave. Bon allez. Les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous me follow sur Twitch. Allez voir ma chaîne YouTube, abonnez-vous, laissez des pouces bleus. Et on se retrouve bientôt. J'aurai peut-être avancé un petit peu le farming de lave. Je vous ferai voir le résultat et on se fera sûrement la petite cahute au fond. Allez, à bientôt, au revoir.